Bonjour tout le monde, c'est Reggie et bienvenue dans ce quatrième épisode sur Paper Mario Color Splash. Et aujourd'hui, on part pour le lac Cerise. Super mignon. Je sais pas pourquoi il m'a mis de commencer deux fois. Je ne sais pas, il y avait peut-être un truc sur mon écran du gamepad. Alors, le mignon lac Cerise. Ouah, Mario, regarde! Oh. Le fameux énorme pot de peinture. Et il y a un Toad, en fait, je crois, qui est collé en bas. Et c'est exactement ça. On va devoir aller le chercher. Tu as vu ce que j'ai vu? Un Toad vient de tomber du bateau volant. On dirait qu'il s'est écrasé près du lac. Sacrée chute. J'espère qu'il n'y a rien de cassé. Allons voir. Avec plaisir, mon cher peinturion. Hop. Alors, j'imagine qu'on peut pas passer par là. Il y a du scotch de l'autre côté. Ah, attendez. Mais je crois qu'en fait, il faut passer par là. Je peux pas. Alors, première énigme du jeu. Ou alors, il faut que je revienne en arrière. Non, ils vont me faire quitter la carte. Je vais peut-être peinture le haie. Il n'y a rien. Ah non, je dois avoir examiné. Fait que j'examine. Oui, mais moi, je suis plus rapide que le jeu, là. C'est rageant, il faut absolument qu'on rentre. Bah, vu que t'es de papier, moi j'irais 20 en dessous à droite, tu passes largement. C'est seulement on réussissait à monter sur ces blocs, on pourrait sauter de l'autre côté. Ah, mais oui, une ligne parfaite. Quoi? Attends, je vais t'enseigner une technique qui va te scier. Ouais. Tu peux réaliser un découpage. Tu vas voir, appuyer sur Y. Ouais. Et zouf, voici la ligne en pointillé dont je te parlais. Nous ne pouvons utiliser mes pouvoirs pour transcender les dimensions et découper des morceaux de décor. Alors, à toi de jouer. Ouais. Alors, bien sûr, ça va se passer sur le gamepad. C'est pas très gentil pour vous. Je sais pas si je peux faire quelque chose. Youhou, on a réussi. Nous avons quitté notre dimension. De quoi j'ai l'air pas trop empoté, j'espère. En fait, c'est exactement la même chose. Il y a les mêmes pointillés, il y a la même forme. Et donc, il me demande de suivre les pointillés pour découper, tout simplement. Oui, en fait, c'est juste voilà. La même chose que vous avez vu, sauf que c'est sur mon gamepad et j'ai dû découper à coups de ciseaux. Alors. C'est bon, la partie est coupée. Ton objectif, c'est le drapeau. Alors, vas-y, plein pot. Et là, du coup, je suis passé en phase 2D. D'accord. Alors, je sais pas trop comment vous expliquer tout ça. D'accord. J'espère qu'il y aura pas trop de découpage, parce que comme ça va se passer sur le gamepad, et que je peux pas filmer le gamepad, ça va pas être très intéressant pour vous. Essaye d'appuyer sur Y. Ok, bon, je suis de l'autre côté. Je sais pas si je peux le refaire. D'accord, on le voit. Mais tu le fais exprès? Oui, mais voilà. Donc j'ai fait Y. Vous voyez la ligne en pointillé. En fait, sur mon gamepad, je peux la découper. Je passe en mode 2D. Et après, voilà, là c'est découpé. Je passe en mode 2D, en fait c'est comme un Mario classique de gauche à droite. Je saute pour aller jusque là-haut. Voilà, donc c'est vraiment pas folichon, pas très intéressant. Et je trouve un petit peu inutile. Et je dis pas ça parce que déjà je suis énervé que ce soit sur le gamepad et que vous puissiez pas le voir. Mais surtout que voilà, pour moi ça apporte strictement rien au jeu. D'ailleurs j'ai rien peinturluré jusqu'à présent. Il n'y avait rien que j'ai oublié, non. C'est bon. Allez, un bloc sauvegarde, ça faisait longtemps. Pas. Donc, un truc que je me suis rendu compte pendant. Ouh, purée, toute cette victoire. Ouais, un point marteau. Allez. Ah, mais non, mais c'est pas gentil, je voulais 200. Bon, c'est déjà bien.
Donc un truc que je me suis aperçu pendant le combat, c'est que apparemment on peut pas choisir la personne qu'on peut attaquer. Ce qui est un petit peu dommage, parce que du coup ça rend le combat un petit peu plat si je peux pas choisir celui que je veux attaquer en premier. Bon. Ah, un petit peu plat, j'ai fait le jeu de mots sans faire exprès, mais voilà. Vous m'avez compris, tu peux pas vraiment développer de tactique quand t'es obligé d'attaquer le premier qui vient. Alors, tu t'empiles avec nous, oui ou non? C'est quoi ton problème? Tu veux la jouer perso? Oh, je vois, monsieur pense que nous ne sommes pas assez bien pour lui. On n'est que 4, pour faire une pile de 5, il faut un gars de plus, tu me suis? Il ne te suit pas, assez discuté, on va l'empiler de force. Flûte, il s'enfuit. Eh, hey, visez-moi ça! Un sans-pile qui nous espionne, un sans-pile carrément. Une salopette et une moustache? Eh hey, les gars, attrapons ce clown. C'est vrai que les... Ah non, non, c'est mon attaqué en prio du coup. C'est vrai que les... Ah purée. C'est vrai que les ennemis empilés... Tiens, je vais faire celui-ci. Les ennemis empilés, ça vient de... Mario et Luigi. Et Paper Mario. Alors je me souviens plus du tout du titre du... Du jeu. Oh, je me souviens plus du titre du jeu, je me souviens même plus du principe du jeu. C'est un crossover entre entre Mario et Luigi, donc les Superstar Saga. Et la saga des Paper Mario. Et du coup, on se battait à 3, donc avec, avec Mario, Luigi et Paper Mario. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment compris pourquoi il n'y avait pas Paper Luigi dans le jeu. Je trouve ça très, très dommage. Je sais pas ce qu'on est censé fraterniser avec l'ennemi, mais merci de m'avoir aidé. Ces quatre mascas me cherchaient des noises depuis un moment, j'imagine qu'ils n'en mettront plus personne. Je suis peut-être tout trempé et tout délavé maintenant, mais au moins j'ai été embrigadé. D'accord, je n'ai pas été embrigadé. Ils ont essayé de me persuader que je ne pourrais jamais m'en sortir tout seul, que je ferai jamais mieux que de m'empiler. D'accord. Voilà. Un sans-pile. C'est super émouvant ce que tu dis. Tu devrais te lancer dans la politique. Ouais, sauf que dans cet état, je ne risquerais pas de me faire élire. Je crois qu'il est temps pour moi de partir pour un long voyage. Oh. Mais avant d'y aller, je tiens à vous donner ceci. Un nouveau marteau? C'est quoi? Ah d'accord, c'est un paquet de cartes. Non, une augmentation de cartes. Il est trop mignon ce Muskias. Il veut pas me suivre. Ah, c'est un seul emplacement. Hey les gars, venez me joindre. Oh mon dieu. En plus, les études démontrent que ceux qui font partie d'une pile de 5 vivent 5 fois plus longtemps. Hey, regarde, 2 piles de 4 mascas. C'est l'occasion idéale de tester ton nouvel emplacement. Pose de... Ah oui, d'accord. Ah non, ça va, c'est plus utile que... C'est pour attaquer deux fois. Ça, c'est bien. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir utiliser. Utiliser deux cartes pas très... pas super. Hop, on y go. Alors. Hop. Je veux dire, il me semble pas que c'est une grande importance que les cartes soient fortes ou pas. Puisque... Puisqu'en fait, les empilés ont, il me semble, qu'un seul point de vie. Par feuille. Et là encore une fois, je sais pas si je l'ai dit ou si je vais me répéter, mais les empilés viennent de ce crossover qui était ma foi fort sympathique avec plein de bonnes idées. Mais c'est dommage de faire un crossover Paper Mario et Paper Mario, c'est juste des chaussures. Chaussures de Toad. Ok. C'est dommage de faire un crossover. Mario et Luigi avec Paper Mario sans mettre Paper Luigi. Je sais même pas s'il est présent dans le jeu. Hop. Il y avait que des chaussures du coup. Alors. Ok. Eh, un peu de vie. Ouais, c'est vrai que. Ah, c'est 40 d'un coup, ça va. Alors. Hé, hey, j'ai récupéré un Koopa.
C'est vrai que j'ai utilisé un petit peu toutes mes cartes, là j'ai quasiment plus rien du tout. Et par contre, j'ai du mal, parce que c'est bien du coup que vous puissiez pas voir certains combats, parce que c'est vraiment pas fameux. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ce... Ah, c'est juste pour un cube. J'ai vraiment du mal avec ce système de cartes blanches, cartes colorées et peindre certaines cartes. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai tellement envie vite, sachant que le gameplay est un peu lent. Marteau Valdingo? Le gameplay est assez lent par moment, j'ai tellement envie d'aller vite que parfois j'envoie mes cartes sans les peintures leurrées. Le problème c'est que sans peinture, bah, ça fait quasiment zéro dégâts. Voilà, je vais essayer de me calmer un petit peu sur la vitesse. Ah ah, celui-là j'ai failli l'oublier. Ah, c'est bien, ça me refait mon stock de cartes. Oh! Priorité à lui. Hey! Alors. Oh! C'est notre ami le Mascasse! Oh, je l'ai frappé! Non! Je pensais que c'était notre ami. Je suis trop triste. Enfin, je suis trop triste. Non, c'est bien, parce que du coup, j'ai pas attaqué notre ami, mais. Bon. Hop, c'est bien du coup, j'allais utiliser une carte Koopa, donc vous allez pouvoir voir ça. Je sais pas du tout comment on va l'utiliser. Ah non, elle s'utilise toute seule, c'est bon. Y a rien à faire, c'est le Koopa qui fait tout. Ah, mais c'est... Enfin, parce que je pensais que c'était notre super ami. Je suis un petit peu déçu du coup. Je vais juste repasser par derrière parce que... J'ai l'impression que je vais oublier une partie. Allez. Ah, c'est par là. J'ai oublié une partie à colorer. Ah, il y a un slip de Toad. Enfin, je m'avance en disant que c'est un slip de Toad, mais comme on a récupéré. Ce sera un pantalon de Toad, sachant qu'ils sont petits. Non, c'est un pantalon, voilà. Comme on a récupéré les chaussures de Toad. Allez, allez, allez. Ouais. Ouais. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on récupère. Ah bah oui. J'allais dire, je sais pas pourquoi on récupère, mais en fait, si. C'est pour le Toad qui était dans les airs là et qu'on a vu s'écraser. C'est pour ça. Ça me semble logique maintenant. Donc je le dis. Ouais, je récupère mes points marteau. Parce que c'est vrai que ceci dit, on avance quand même pas mal loin. Ah bah il est là, tiens. On parle du Toad. Oh, un Toad est accroché à l'arbre. Tu crois que c'est le Toad rouge qui est tombé du bateau volant? Il y a trop de vent, ça ne tiendra pas très longtemps. Bah, oui. Oh! J'ai réussi... Non, j'ai pas réussi à avoir l'avantage. Dommage. Je sais pas si le fait qu'il y a du vent, ça va influer ou pas sur le combat. Je sais pas du tout. On va voir ça. J'aurais dû laisser un peu plus longtemps. Ah mince, du coup, j'ai gâché une carte. Je pense qu'elle a dû être utilisée. Je vais pas me battre avec tous les mascasses. Ah oui, d'accord. Ah, c'est parce qu'il y a un ventilateur là-bas. Bah, ça sert à rien de passer par là. Bah. Panorama, cette montagne ne se découpe pas. Tel pas. D'accord, c'est. Tu la sens ton indice? Et bah voilà. La montagne elle est coupée. Alors. Parce qu'encore une fois, vous pouvez pas voir. Et moi j'ai oublié mon stylet. Donc c'est juste le fond, la montagne elle est coupée. Et hop. C'est fait. C'est pas très intéressant, c'est rapide. Hop. Donc je vais découper la montagne. Là on repasse un petit peu en monde 2D comme dans Super Paper Mario. Au fond, j'avance de gauche à droite. Et hop. En fait, c'est juste une ligne à suivre. Hop. Et voilà, je me retrouve là. Alors. Hop, en peinturlure. Ça aussi en peinturlure. Et une fleur de glace. C'est vrai que j'essaye de garder mes cartes rares en me disant ça va servir pour une collection, mais en fait, ça se trouve pas du tout. Alors, c'est là que vient tout ce vent. Les drôles d'objets volumineux appelés des trucs. Tu te rappelles,
quand je suis devenu tout plat, eh bien, ces trucs peuvent être essorés eux aussi pour devenir tout plat. C'est vrai qu'en fait, j'avais un petit peu oublié, mais au début du jeu, il était pas plat, il était en 3D. Ça va me donner de la peinture, ça aussi. Ah oui, en plus! Oui, je leur aspire leur peinture pour qu'ils deviennent vraiment plats, d'accord. C'est vrai que le pot de peinture était en 3D et maintenant il est en paper. J'avais pas fait attention, ceci dit. Hop. Et un raccourci grâce à Bowser. Je sais pas si j'ai pas oublié un truc. C'est par là. Non, c'est le. Non, si, j'ai oublié. Tiens, c'est le chemin normal. Ah! C'est une. Ah bah, c'est le Val Dingo qu'on a eu tout à l'heure et que j'ai toujours pas utilisé, ceci dit. Je sais pas si on va tomber sur encore un Toad. Ah, purée, il m'a fait peur. Deuxième délavé. Je vais essayer de l'avoir, celui-ci. Je sais pas si je peux leur faire un coup de peinture. Ouais, je sais pas si ça a changé grand-chose. On va voir ça. Ouais, ça m'a pas l'air plus fort que tout à l'heure. Parce que j'essaye de garder mes cartes rares, mais c'est vrai que j'ai pas de cartes du tout là. Sauvez-moi! Les cartes qui tombent du ciel, non? De toute façon, j'ai plus beaucoup de peinture non plus là. Faut que j'en récupère un peu. Pas simple hein, de viser avec la peinture. Hop, ouais, nickel. Ah, merci, vous avez entendu mes prières. Hop, je sais pas à quel pourcentage on est. On est. Oh non, on est à seulement 59%. C'est pas possible. C'est quoi, je me dirige vers la fin du jeu. Enfin, la fin du jeu. Parce que je pensais faire un tout petit détour, mais en fait, ça a l'air énorme encore par là-bas. Bon. Wow. Alors, c'est bien, mais encore une fois, moi je veux de la carte. Ça a l'air de s'étendre super loin en fait. Ouais, une carte, une belle. Je suis bien tenté d'aller retourner voir notre ami le Toad. Parce que j'ai peur d'avancer trop loin dans le niveau. On va voir ça. On va voir si j'ai fait le bon choix ou pas. Tiens, c'est ça que j'avais pas peinturé. Des cartes, non. Tant pis. Ah, parce qu'en plus, il y a un chemin par là-bas. Oh, ça fait trop de direction là. Allez. Un petit coup de marteau. Notre Toad a walpé. Mauvais sens, voilà. Mario, merci pour le coup de main, enfin le coup de marteau. Tu m'excuseras si je ne prends pas dans mes bras, mais je suis pas très présentable, j'en ai peur. C'est toi le Toad qui est tombé du bateau volant, pas vrai? Content de voir que tu t'en es sorti. C'est pas le cas, d'accord. Mais on a tes vêtements, ok, c'est simple, j'ai voulu donner une bonne leçon à ces brigands, alors j'ai sauté dans leur bateau volant. Mais voilà, cet engin est plus rapide qu'il en a l'air. J'ai perdu l'équilibre, donc je suis passé par-dessus bord. J'ai réussi à m'accrocher au seau, mais j'ai finalement lâché prise. Quoi qu'il en soit, ces pilleurs de paille n'ont pas fini, ces pilleurs à paille plutôt, n'ont pas fini de m'entendre. Vous pouvez me croire. Car je suis celui qui apporte la justice dans un monde de ténèbres. Je suis le Toad Justicier. Il a une araignée dans le pot, celui-là, ou quoi? Même toi, Mario, tu seras incapable de sortir une réplique comme ça, tout en gardant ton sérieux. Normal, je ne parle pas. C'est, voilà. Je suis un peu plus sérieux, mes crayons. Je suis le héros que l'île Barbouille attendait. Mais bon, avant de rétablir la justice, je dois commencer par me conformer aux lois en vigueur. Le naturisme est plutôt mal vu en Barbouille. Pourriez-vous aller chercher mes vêtements, s'il vous plaît? Eh bien, il a fière allure, notre Toad justicier. Il a dû se cogner la tête en tombant. Peu importe, nous n'allons pas l'abandonner comme ça. Imagine s'il attrapait un rhume. Ok, on s'en charge. Alors, les chaussures. Maxi gravité. C'est l'effet habituel de la gravité, tu sais. Le pantalon. Et il manque la veste, à mon avis.
Le pantalon de la gloire éternelle. Et la veste. Je l'ai pas. Waouh, c'est bon, tu peux sortir torse nu. Je sais pas s'il sera pas par là-bas. Cœur du lac cerise. Mais moi, ce que je veux. Journal d'un justicier. Ah oui, d'accord, il y a carrément sur mon journal aussi. C'est plutôt beau gosse. Tremblez, vilain. Il va prendre les choses en main. Ah, mais j'ai plus de cartes, les gars. Ah, justement, un vilain qui s'approche. Voyons si tu es assez fort pour résister au missile en carton de la justice. Oh, purée. Ah là là, les enfants, moi, je veux sauvegarder, s'il vous plaît. Je pense que ça suffira. Je veux sauvegarder, s'il te plaît. Oh, purée. Ah oui, c'est d'accord, j'en ai trois. J'allais dire, si je fais que ça comme dégâts... Ouais! Hop, on récupère le livre. Journal d'injusticier. J'ai tout repris. Hop. Oui, un petit bloc sauvegarde, s'il vous plaît. Tiens, d'ailleurs, si j'utilise le mode découpage comme ça, non, il n'y a rien. Il paraît normal. Hop. Oh, purée, j'avais pas vu venir. Alors, parce que je reviens à la raison. Je suis en train de réfléchir. Parce que là, ça commence à faire un petit peu long. Je voulais arrêter la partie tranquillement, mais le jeu en décide autrement. Alors, moi, je veux bien, mais ah oui, d'accord, c'est fermé. Non, voilà, nickel. Moi, je veux bien jouer avec vous. J'aime bien jouer avec toi, le jeu, mais le problème, c'est que moi, j'ai aussi des trucs à faire à côté. Allez, juste là, l'étoile. Regarde, il y a une petite étoile rouge. Il y avait donc bien une étoile au lac Cerise. Donc oui, je disais, j'aime bien jouer avec toi, le jeu, mais là, la partie s'achève. Allez, encore un combat. Hop. Des cartes. Non. Ouais. C'est un petit peu trop près à mon goût. Ah oui, il faut la ligne parfaite. Faut que ça forme une ligne directe. Là. Non, là. Mais là, c'est une ligne. Je dois sauter quelque part. Je croyais que c'était ça le truc, justement, que ça devait faire une ligne parfaite avec la fin. Non. Ah, peut-être au fond, peut-être que je dois la faire de là-bas, non. J'avoue que je suis assez perturbé là. Ah, voilà. Oh, on dirait qu'on peut utiliser le découpage ici, mais l'alignement n'est pas parfait. Avec un peu de patience, d'accord. Donc j'avais la bonne intuition. C'est un peu bizarre de l'utiliser d'ici, en fait. D'accord, d'accord, j'ai compris. Là, il est. Voilà. Hop, c'est un peu bizarre, quand même, de l'utiliser d'ici. Ça aurait été plus logique de l'utiliser de là-bas. Surtout que là, du coup, ça veut dire que je vais me téléporter. Tout simplement. Ouais, c'est exactement ça, je me suis téléporté. Hop là. Bon. On va récupérer notre étoile. Je suis un petit peu déçu parce que du coup on n'aura pas pu tout finir dans cet épisode. Peut-être un épisode était trop court pour un niveau. J'aurais voulu finir l'histoire avec le Toad nudiste et voir un petit peu ce que cachait la fin du niveau. Parce que là, voilà, j'ai pas pu tout faire d'un coup. Donc je pense que dans la prochaine partie, on y retournera. C'est juste que voilà, je veux pas faire des parties trop longues non plus. Donc voilà, mais j'ai passé un merveilleux moment avec vous. Merveilleux, peut-être
pas non plus, faut pas exagérer, mais un bon moment. J'espère que vous êtes amusés. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.